Dans le village de Selenia, niché au cœur de la forêt amazonienne, les habitants vivaient paisiblement. Lorsqu'un beau jour, une équipe de chercheurs intrépides et curieux débarqua avec une mission mystérieuse. Ils cherchaient à percer les secrets des noix du Brésil, ces délicieux trésors cachés de la forêt. Tout juste arrivé aux portes du village, quelqu'un les interpella. Bienvenue, étranger. Que cherchez-vous dans notre humble village ? Demanda le chef du village. Bonjour. Je suis la femme à la tête de cette équipe. Nous sommes ici pour en apprendre davantage sur les noix du Brésil, énormes bienfaits insoupçonnés sur la santé. C'est bon, laissez-les entrer. Avec l'aide des villageois, les chercheurs organisèrent une expérience. 10 volontaires recevèrent entre 1 et 8 noix du Brésil à déguster. Un petit garçon raffolant des noix sauta sur l'occasion pour se porter volontaire. Moi, s'il vous plaît, ces noix sont trop bonnes. J'en mangerai plein. Je suis votre volontaire idéal. Un chercheur tout proche de l'enfant lui répondit. Tu es bien gourmand, mon garçon. Attends de voir ce que nous allons découvrir. À mon avis, tu seras encore plus étonné. 9 heures après l'ingestion des noix, les chercheurs étaient tous stupéfaits. Le mauvais cholestérol des volontaires, LDL, avait chuté. Et le bon cholestérol, HDL, avait augmenté. Venez voir, c'est incroyable! Ces noix sont plus efficaces que certains médicaments pour réguler le cholestérol! Attendez, vous allez me faire croire que ces petits trésors de la forêt ont autant d'effets que des médicaments! Regarde les résultats, collègues! Et ce n'est pas tout! Les noix du Brésil recèlent encore bien d'autres secrets! Au fil des jours, les chercheurs mesurèrent le taux de cholestérol des volontaires et comprirent que même 30 jours après l'expérience, leur taux de cholestérol était resté bas. Je n'en reviens pas. Manger seulement 4 noix par mois pourrait baisser le taux de cholestérol plus rapidement que manger plein de noix. En poursuivant leurs recherches, ils découvrirent que le sélénium, un nutriment essentiel pour la santé humaine, était particulièrement concentré dans les noix du Brésil. Ce minéral, associé à d'autres nutriments présents dans ces noix, pourrait avoir des effets cardioprotecteurs. Un villageois, connu dans le village pour sa mauvaise humeur, s'exclama. De toute façon, quand les entreprises pharmaceutiques connaîtront ce secret, croyez-moi, ils se feront une fortune en les transformant en médicaments et compléments alimentaires. C'est vrai, mais quand la nature offre de tels bienfaits, pourquoi se tourner vers les médicaments et les compléments alimentaires ? Reprit le chercheur enthousiasmé. Grâce à leur découverte, les chercheurs et les habitants de Selenia prirent conscience de l'importance à préserver et respecter la nature qui les entourait. Les villageois se mirent à cultiver et à récolter les noix du Brésil avec encore plus de soin, tout en veillant à préserver l'équilibre de la forêt. Les chercheurs, quant à eux, repartirent vers d'autres aventures, emportant avec eux le précieux secret des noix du Brésil. Ils étaient déterminés à partager leur découverte avec le monde entier, afin d'avoir une vie plus saine et plus respectueuse de la nature. Adieu, amis de Selenia. On n'oubliera jamais votre hospitalité et votre générosité. Ensemble, nous avons découvert quelque chose de vraiment extraordinaire. Au revoir, chers chercheurs. Je veux dire, gentils chercheurs. Grâce à vous, notre village, notre forêt et notre santé seront préservés pour les générations futures. Nous veillerons à transmettre le secret des noix du Brésil et leur pouvoir sur le cholestérol. Et c'est ainsi que le secret des noix du Brésil se propagea dans le monde entier, apportant un nouveau regard sur la santé et les bienfaits de la nature. Les habitants de Selenia continuèrent de vivre en harmonie avec la forêt et leur village devint un exemple de préservation et de respect de l'environnement.